Chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors je me situe aujourd'hui, comme promis, vous voyez, je tiens mes promesses, sur le green, le putting green du golf des Vigiers, à côté de Bergerac, en compagnie de Christian. Bonjour à toi Christian. Bonjour à tous. Christian qui nous vient du Pays Basque, bien sûr, voilà. À côté de Biarritz. À côté de Biarritz, entre Bayonne et Biarritz, dans un petit village qui s'appelle Villefranche. Voilà. Et puis le siège de l'entreprise, elle, est à Mouguer. Écoute, la prochaine fois qu'on se rencontrera, je viendrai voir peut-être le lieu de fabrication. Le lieu de fabrication. De ces fameux putters made in Pays Basque. Exactement. Golferia. Exact. Voilà. Alors Golferia, avant de nous présenter ici, je pense que vous le voyez, la gamme de tes putters qui en plus s'étoffe. D'année en année, oui. Tu vas nous présenter les deux nouveaux modèles. Mais peut-être que certains ne connaissent pas les anciens modèles, donc... On va présenter la gamme. On va présenter la gamme, l'histoire de l'entreprise. L'histoire de l'entreprise, alors Golferia, c'est l'histoire d'une rencontre d'hommes, avant tout, donc notamment avec mon ami Greg, qui est aujourd'hui, qui a 75 ans, qui a conçu, en fait, le putter dans sa forme principale. Et puis donc on a fait ça il y a 3 ans. Greg m'avait présenté un de ses putters qu'il avait fait au fond de son garage. Je suis tombé amoureux de la forme, du toucher, et puis je lui ai proposé de lancer la machine. Et donc on a construit les putters, on a réfléchi, on a fait des adaptations, on a travaillé sur des shafts, on a déposé des brevets, il y a 3 brevets aujourd'hui sur nos putters. Et puis l'idée, c'était vraiment de fabriquer en local. Oui. Et donc tous nos putters sont fabriqués dans une usine sur Bayonne. D'accord. Voilà, donc et on fait l'usinage à Bayonne, le montage, l'assemblage, la conception, le développement, tout ça est fait à côté, voilà, à Villefranche. Donc du 100% basque, entre guillemets. Alors ce que je ne sais pas, moi je suis bavard et j'aime beaucoup les histoires, mais que faisais-tu avant Eria? Rien à voir. Rien à voir avec le golf. Rien à voir avec le golf. J'étais avant tout... Tu étais golfeur quand même. Je suis un golfeur passionné, voilà. Plutôt pas trop mauvais, mais voilà. Mais grosse envie de bien putter, etc., de passer du temps sur les terrains de golf. Et puis voilà, c'est cette histoire de rencontre. Avant, j'étais dans la mécanique, enfin dans l'électricité. Oui. J'ai la chance d'avoir aussi à côté de moi une épouse qui est ingénieure mécanicienne, donc ça aide beaucoup dans le développement et dans la conception. Et une passion, une rencontre, une envie à un moment donné de donner un autre tournant à sa vie. Et c'était l'occasion de se lancer dans l'aventure Golferia. Et quand tu as démarré cette entreprise, j'imagine, enfin moi c'est ce que j'aurais fait, t'es-tu documenté sur l'histoire des putters, sur l'évolution Énormément, énormément. En fait, avant de concevoir Golferia, je me documentais déjà énormément parce que le putting m'intéressait. Donc j'étais déjà, j'ai lu beaucoup de livres, je me suis beaucoup documenté, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet. Et puis après, il y a eu cette rencontre avec Greg, on a beaucoup échangé. Lui aussi s'était documenté énormément parce que, en fait... Greg, il a cette idée depuis qu'il est tout petit, depuis qu'il a 12 ans, parce qu'il avait la chance d'habiter au Canada à l'époque. Oui. Son papa avait une maison à côté d'un golf. D'accord. Et il y avait un joueur relativement connu qui venait régulièrement jouer avec son papa. Et ce monsieur s'appelait Ben Hogan. Ah, d'accord. Oui. Et Greg, lui, en tant que jeune de bonne famille, allait au collège anglais et jouait au croquet. Et donc c'est de là qu'est venue son idée de putter cylindrique. De putter cylindrique, on peut peut-être tout de suite on le sortir. Montrer, tout à fait. On peut prendre n'importe lequel. Hein. Un putter cylindrique, je te laisse le présenter. Hein. Putter cylindrique, donc qui a l'avantage en fait d'être complètement symétrique par rapport à l'axe. Donc qui en fait un putter totalement équilibré. Donc et après, Greg a travaillé au départ sur le diamètre, de façon à avoir quelque chose qui permette d'avoir une roule optimale dès que la balle sort du putter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand on a fait les mesures sur Trackman, pour info, on a très très peu de glissement. Donc l'idée, c'était ça. C'était avant tout de développer un putter qui ne fasse pas sauter la balle. Quand tu dis glissement, c'est ces fameux premiers centimètres qui sortent du putter où la balle a un léger envol et puis ensuite elle prime à rouler. Voilà. C'est-à-dire que la balle, en fait, au départ, quand vous la putez avec un putter classique, en fait, elle va avoir un petit peu de backspin. Okay. C'est ça, un tout petit peu de backspin. Un petit peu de backspin, elle va arriver sur le sol avec... Et pourtant, on parle de topspin au putter, mais bon. Ouais. C'est une utopie, ça ou... Non, c'est pas une utopie, c'est une façon après de... On essaye justement d'avoir du topspin, donc sauf que c'est très difficile à avoir avec une tête à face plate. Parce qu'en fait, il faudrait que vous ayez un loft négatif. Et oui.
et monter le mouvement pour avoir le topspin. Or là, en fait, donc je veux dire que en général, la balle sort avec un petit peu de backspin, elle glisse et après, une fois qu'elle a trouvé l'adhérence, elle roule. Elle roule. Avec le putter cylindrique, tel que nous on l'a conçu au niveau du diamètre, au niveau de la matière, on vient taper la balle presque au niveau de l'équateur. Donc elle est tout de suite avec une légère montée du putter, donc elle se met tout de suite en rotation. C'est-à-dire que même si elle se soulève, elle est en rotation, et dès qu'elle arrive sur le sol, elle continue de rouler. Et donc on n'a pas de phénomène de glissement, on peut avoir que 3% à peu près de phénomène de glissement maximum. Et on a très peu aussi de déperdition latérale, c'est-à-dire qu'on a très peu d'effet latéral aussi. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est ce qui donc nous c'est, a... c'est vraiment ça le cœur de la différence de ce putter. Voilà, au départ c'était vraiment ça. Tu me l'as dit de façon simplifiée au téléphone il y a 2 ans, une meilleure roule. Exactement, c'est ça. C'est une meilleure roule, c'est un meilleur toucher, parce qu'on est vraiment sur quelque chose avec un impact. Et en plus, tel qu'on l'a conçu, avec une tolérance assez importante. Voilà. Et puis après, il y a différents types de modèles qui vont s'adapter au joueur, à sa façon de visualiser le putter. Et c'est là que le fitting devient très très important, on va en parler tout de suite. Tout à fait. Ok. Voilà. Pause. Alors Christian, on est devant ta gamme étoffée de putter. Est-ce que tu peux me... Là, ça serait marrant que moi, je cherche le modèle de base, mes jeunes. quel était le V1 Le V1, c'était celui-là. C'était celui-là. Le V1, c'était celui-là. Putter center shaft. Oui. Shaft acier. Oui. Voilà. Et on le travaille sur différents lies. Oui. 3 lies, le standard. 2 degrés up. Upright. Upright. Oui, absolument. Et 2 degrés flat, un peu plus plat. Pour les, voilà. pour les petits joueurs comme moi, en principe. Voilà. Ou des joueurs qui ont une posture. Qui ont une posture avec les mains peut-être un petit peu plus proches du corps. Absolument. Et un besoin de vision un peu plus périphérique. Ok. Voilà. Donc ça, c'était le modèle 1. Ok. Avec un shaft en acier. Oui. Le modèle qui avait pratiquement dans la foulée, il y a 3 ans déjà, enfin même presque 4, donc était celui-ci. Avec un shaft mixte, du coup. Même tête. Même principe au niveau du center shaft, mais avec un shaft carbone en haut, acier en bas. En bas, qui permettait en fait d'avoir sur un shaft à la fois léger, mais de descendre le centre de gravité vers la tête. D'accord. Sans pour autant alourdir le putter. Puisqu'on va le dire tout de suite, moi c'est une des premières choses que j'ai remarqué quand j'ai reçu ces premiers putters, ce sont des têtes plus légères que le standard. Tout à fait. Tout à fait. Le standard, je le rappelle, moi je déteste la notion de standard, mais enfin je pense qu'on peut dire aujourd'hui que une tête de putter, c'est 350 grammes à peu près. Ouais, ça se situe entre 330 et 350 grammes à peu près. Là, nous, on est sur plutôt une tête... Avec une tendance de plus en plus lourde, quand même. De plus en plus historiquement. Lourde. Historiquement. Historiquement. Pour donner un petit peu plus, alors, de MOI qui va donner une sensation d'un peu plus de contrôle. Nous, on est un petit peu sur notre philosophie. Tu as pris le pari inverse. Le pari inverse. Ouais. Le pari inverse. Premièrement, pourquoi ? Parce que déjà, nous, on a un putter qui fait très bien rouler la balle. Donc, on n'a pas besoin de faire de grands balanciers. Je comprends. Donc, comme vous n'avez pas besoin de faire des swings avec une grande amplitude, donc du coup, le poids de la tête n'est plus du tout important pour donner cette stabilité-là. D'accord. Du moins, il n'est pas primordial. Mmh. Et par contre... Parce que là, ce sont des têtes qui font 310 grammes à peu ouais, près. Ouais, 310 grammes à peu près. Ouais. Par contre, on va préférer travailler sur le shaft. Ouais. On va préférer travailler sur le grip ouais. pour donner justement cette notion de contrôle au joueur. Parce qu'en fait, le dernier, je dirais, organe qui va permettre en fait de doser et toute la sensibilité de l'homme au niveau du putting, c'est l'index, il pousse. Ouais. Donc, et quand vous prenez un putter, ben, ce qui est important, c'est ça. Tout à fait. Donc, le poids, il doit changer à ce niveau-là. Donc, au niveau du contrôle à la main. Donc, au plus près du shaft et au plus près du grip. Donc, tu es assez favorable aussi au système de contrepoids, le counterweight, hein, au petit. Ouais, ouais. Exactement. Donc, et ça, ben, avec les professionnels, bon, de faire le bon fitting qui permet justement de trouver ça. Donc, on avait un putter avec un shaft, on va dire, acier. Donc, avec un équilibre, on va dire, standard, entre guillemets. Là, on retrouvait un putter avec un poids plus léger au niveau du putter qui marche très bien aujourd'hui. Dès que les gens font un petit peu cette démarche de dire bah, effectivement je sors du putter lourd, donc là on est sur un putter tout en contrôle avec carbone acier et puis après est venu dans la même philosophie du putter center shaft. Là on est monté sur un shaft graphite armé qui a l'avantage là par contre d'être un shaft un peu plus lourd, même beaucoup plus lourd. Alors, beaucoup plus lourd, hein. Je l'ai, c'est un shaft de graphite de 160 grammes. Tout à fait.
Voilà. Et là, j'avoue, hein, je l'ai pris dans les mains et j'ai retrouvé les sensations de mon putter qui est équilibré en D2, même si là j'ai une tête plus légère, mais avec Ouais. ce shaft très très lourd, ouais, j'ai eu des sensations très proches. Hein. Ouais. Et là, on arrive sur quelque chose de très soft au niveau du toucher. Oui. Un retour très intéressant. Donc ça, c'était la phase 1, en fait, au niveau des putters. D'accord. Un an après, on a sorti le modèle avec le hosel. Avec le Rosel, ouais. Avec le hosel. Alors le Donc, hosel, hein, pour rappeler à nos auditeurs, hein, même si je pense qu'à force de m'écouter, ils savent ce que c'est, mais voilà. Là, le hosel qui permet d'insérer le shaft. voilà, qui permet d'insérer le shaft. Donc là, c'est pareil, c'est une pièce qui est comme la tête, fabriquée dans l'usine à Bayonne, Oui. donc où il y a bien sûr un brevet dessus. Donc chaque hosel est différent en fonction du lie donné, Bien sûr. donc à l'inclinaison, Tout à fait. Aussi bien au niveau de la taille qu'au niveau de l'inclinaison. Et donc là, particularité de ce putter là avec le hosel, c'est qu'on a une très grande facilité pour poser le putter à plat. Donc qui est je dirais l'objectif principal du fitting est avant tout de déterminer le bon lie pour le joueur, de façon à ce qu'il pose très facilement le putter à plat. Et là, on a vraiment, je dirais, une façon optimale d'utiliser le putter et d'avoir la bonne roue. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, un joueur, un golfeur, va aller plutôt sur un center shaft qu'un hosel shaft? Alors, il y a deux fonctions. Un, la première, ça va être la visualisation de la tête et de la balle. Donc, effectivement, quand on voit la différence entre un center shaft et un hosel, on voit que en fait ici on a un petit peu moins de visibilité au niveau de la tête, oui. puisque le shaft vient presque se mettre au niveau du center shaft, en fait au niveau du centre de la tête. Quasiment. Alors nous on a un petit peu décalé, et c'est un petit peu pour ça aussi que ce sont des putters qui sont faciles à jouer, même sur des center shafts, alors qu'historiquement les center shafts sont assez difficiles à jouer. Il y a peu de joueurs sur le tour qui... Moi je pense à Zach Johnson, mais à part lui j'avoue que j'en vois pas d'autres. Hein, voilà, donc c'est un putter qui est assez difficile à jouer. Donc nous on a fait plein de calculs qui nous ont permis en fait de déterminer le décalage optimum du shaft, D'accord. au niveau de son entrée, pour venir vraiment cibler un point précis de notre putter pour qu'il devienne du coup très facile à jouer. Voilà. Donc on a effectivement cette visualisation qui va être différente. Alors je sais pas si oui, vous voyez un petit peu. C'est différent. Voilà, vous voyez que c'est un petit peu différent au niveau de l'insertion du shaft au niveau de la tête. Donc ça va être le premier objectif en fait, c'est de dire comment vous vous sentez avec visuellement. Au niveau, oui, voilà. au niveau de la position. C'est purement du ressenti, on est d'accord. C'est purement du ressenti. Donc là, on a ça. Ensuite, on va dire que le center shot va être plus, là, dans notre cas, sur un mouvement un petit peu, pour les joueurs ayant un arc assez prononcé. D'accord. Le hosel, c'est vrai. Lui, on va être un petit peu plus devant. On va avoir plutôt tendance à avoir un mouvement moins en arc. Absolument. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Voilà, et après, du coup, on va avoir, comme on a un hosel avec un point ici, avec un tout petit peu plus de poids aussi, mais comme on l'a calculé, nous, après, on essaie d'éliminer, en fait, ce balourd pour recentrer, en fait, le poids au centre de la tête. Voilà, donc là, après, c'est pour ça qu'on avait posé les brevets, parce qu'il y a vraiment un petit calcul spécifique sur le hosel qui permet, du coup, comme tu as eu, toi, la sensation de montage avec la tête, le hosel et un shaft graphite, puisqu'on peut combiner en fait toutes les solutions pour optimiser le putter, d'avoir un putter très proche de l'équilibre que tu avais quand tu as construit le tien. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc ça c'était la deuxième phase. Oui, deuxième phase. L'arrivée du hosel. Après le hosel est arrivé le single bend. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait aussi besoin... Single bend, c'est encore autre chose. Voilà. Effectivement, c'est un shaft qui est tordu, hein, tout bend en anglais, tordre. Hein, qui est tordu, sans hosel pour le coup. Voilà, voilà. Ouais. Sans hosel, particularité qui permet au clubmaker en fait, de venir vraiment positionner le lie, l'inclinaison qui correspond au joueur dans sa position naturelle ou la plus efficiente. On va dire. Voilà. Donc ça a été la troisième phase. La quatrième phase. Quatrième phase. Allons-y, on va aller jusqu'au bout. Hein. On a sorti le putter. Je n'ai que des passionnés qui sur ma chaîne, donc voilà. C'est bon. Hein. On a sorti le putter très haut de gamme.
Oui. Alors, le putter très haut de gamme. Et très cher. Voilà. Par du coup, très cher. Plus cher, on va dire. Voilà. Donc, qui a été conçu pendant le premier confinement. Oui. Parce qu'en fait, il fallait qu'on s'occupe. Donc, et je me souviens, j'avais au téléphone et tu m'avais dit que tu travaillais là-dessus. Voilà. Donc, tu avais eu des retours de pros. Exactement. Et que c'est ça qui t'a donné l'idée de ce putter. On a profité du confinement un petit peu pour faire le point avec les pros qui jouaient avec nos putters, que ce soit des pros qui jouaient sur les tournois pro, sur le Habs Tour ou sur le Pro Golf Tour. Oui. Des enseignants aussi qui avaient nos putters, voilà, questionner pour savoir ce qu'ils ressentaient au niveau des putters, comment ça allait et éventuellement qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir en plus. Comme amélioration. Voilà. Ouais. Donc, et on l'a fait notamment avec les joueurs pros qui nous demandaient, quand ils sont sur des greens très durs, très rapides, d'avoir une sensation de contrôle encore un peu plus importante au niveau de la balle. Et donc pour ça, on a commencé à chercher un petit peu ce qu'il fallait pour qu'on ait une sorte d'amorti, pour que les gens aient vraiment la sensation que la balle reste un peu plus du coup dans le club. Et pour correspondre à la taille du putter qu'on voulait, parce que là il y avait des raisons mécaniques que l'on voulait garder pour la roule, on s'est tourné vers le titane. Donc c'est le matériau qui nous semble aujourd'hui le plus correspondant à notre demande. Donc là on a une tête en titane, on a un shaft single bend. Voilà, single bend que l'on vient courber au là qui correspond. Et après, on va travailler encore d'une façon encore plus spécifique, c'est-à-dire que ce putter-là a surtout le gros avantage d'avoir un équilibre, on va dire, le plus neutre qui puisse exister. C'est-à-dire que chaque putter, vous pouvez prendre vos putters, votre putter personnel, vous allez voir, il va soit tenir dans cette position-là, ce qu'on appelle face balance, plutôt pour les joueurs avec un mouvement très en ligne. Et après, les putters vont avoir un équilibre qui va être, je dirais, plus ou moins la tête vers le bas. Voilà. Comme le tien, par exemple, qui a la pointe vraiment vers le bas. Le toe hang. Voilà, exactement. Pour les joueurs ayant plutôt un mouvement en arc, en arc assez important. Mais du coup, il faut que le putter corresponde vraiment à l'arc naturel du joueur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous essayez un putter, il faut que ça corresponde. C'est-à-dire que si vous avez un mouvement en ligne, il faut que vous preniez un face balance. Si vous avez un mouvement légèrement en arc, il faut que vous ayez peut-être, on va dire, 20 degrés. Et puis, si vous êtes très rentrant, plutôt un mouvement de cible. Mais il faut que ça corresponde. Sinon, après, vous luttez sans arrêt. Alors, on s'est dit, pour éviter de lutter, autant faire un putter qui corresponde à tout le monde. Et que du coup, le putter ne vienne pas influencer le mouvement du joueur. Et dans ce cas-là, le putter, on défie un petit peu la loi de la physique. Il tient dans cette position, il tient dans l'autre. Ça veut dire que là, vous voyez que aussi bien gaucher que droitier, pas de problème sur tous nos putters. Mais il tient aussi en haut, mais il tient aussi en bas. Et il tient, je dirais, dans toutes les positions horaires. Voilà. Donc, et ça, tu l'as essayé. Voilà. Donc, on est sur un équilibre juste exceptionnel et un toucher du titane qui est vraiment fabuleux. Voilà. Donc, ça, c'est pas la dernière, mais l'avant-dernière création et la toute dernière qui n'est pas encore sur le marché. Ouais, mais c'est en exclusivité et en primeur pour toi et pour les gens qui te suivent. Ouais. Voilà. Un putter pour enfants. Qui va sortir avant la fin de l'année. Ouais. Vous allez pouvoir appeler Arnaud pour Noël. Donc, c'est un putter qui a la faculté aujourd'hui d'être un center shaft pour les juniors, avec une tête adaptée pour eux. En aluminium. En aluminium, avec quelques petits secrets à l'intérieur, et qui permet, pour un center shaft, pareil, de tenir aussi bien en haut, en bas, et dans les positions horaires différentes, qui permet en fait aux jeunes joueurs de ne pas trouver leur position naturelle et de travailler dessus. Voilà. Je comprends. Oui, ça c'est un bel outil pour des enseignants avec leurs enfants, effectivement. Exactement. De les laisser trouver leur. Voilà, donc là, ça sera pour les jeunes golfeurs qui ont envie en fait de progresser, d'avancer à partir de 8 ans, je dirais, jusque
pratiquement jusqu'à 14 ans à peu près, 14-15 ans, on conçoit en fait les putters et les shafts pour qu'ils puissent être allongés sans problème. Ok. Voilà. Parfait Christian. Mais Christian, merci beaucoup de cette présentation. Merci à toi. J'ai appris des choses. Alors, pour conclure, allez, une petite question vache. Moi, j'ai entendu dire, et on peut être sceptique parfois quand on voit un tel outil, un tel objet qui est totalement unique. Moi, j'ai entendu dire, voilà, c'est un putter, il est sympa, mais c'est un gadget. C'est un gadget. Mm-hmm. Qu'as-tu à répondre à ceux qui disent que c'est un gadget ? Ah ben non, c'est pas du tout un gadget, c'est la première réponse. Non, j'ai entendu un petit peu, effectivement, non, c'est pas un gadget. Ou un putter pour s'entraîner. Mais il faut savoir que quand même beaucoup de pros sont contents de l'avoir comme pas d'entraînement, justement. Ouais. Je vais vous dire un petit peu pourquoi. Mais au départ, c'est pas un gadget parce que on a fait beaucoup d'études, de calculs, déjà pour déterminer ce putter-là. Oui. C'est-à-dire que le putter cylindrique, il y en a déjà eu. Oui, voilà. On n'est pas les premiers à faire le putter cylindrique. Par contre, on est les premiers à faire ce putter cylindrique avec cette taille-là, avec cette densité, parce qu'en fait, on a quelque chose qui n'est pas très gros, mais par contre qui est très dense. Et on a calculé en fait le putter pour que le diamètre, on va dire, pour que vraiment on vienne dans un mouvement, on va dire à peu près standard, qu'on vienne taper la balle à un point précis de la balle pour lui donner la meilleure roule. Donc ça a vraiment fait l'objet d'un gros calcul. Et après, on a travaillé pour que ce putter soit très équilibré. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de travail dessus. On a été au-delà de ce que nos petits copains avaient fait jusque-là. On a essayé de pousser au maximum cette démarche parce que aujourd'hui, il n'y a pas mieux que une face cylindrique pour faire rouler la balle. Mmh. Voilà. Et que sur un putting green ou sur un green, okay, le plus important, c'est de faire rouler la balle et le plus tôt possible. Oui, et c'est ce que tout le monde et tout golfeur pro cherche avant tout à avoir. Alors après, vous allez me dire, oui, il n'y a pas de joueur pro qui joue avec. Célèbre qui joue avec ça. Qui joue avec ça. Premièrement, parce que c'est un problème économique, on ne peut pas financer aujourd'hui un joueur pro pour utiliser notre putter. Deux, parce que aujourd'hui, les grands fabricants, le putter cylindrique demande systématiquement un fitting. Parce qu'un putter cylindrique, vous devez le poser absolument à plat. Absolument. Ouais. Absolument à plat. Donc ça nécessite le fitting pour que le putter soit bien adapté à votre taille, mmh, à votre façon de putter, éventuellement corrigé avec votre pro, de façon à avoir le bon putter. Donc qui dit fitting dit un coût de distribution un peu plus important. Donc il n'y a pas de putter de fabrication de série. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui coûte un peu plus cher à la fabrication, donc qui intéresse peut-être un petit peu moins les autres personnes, mais c'est pas, encore une fois, un gadget. C'est pas une raison pour cela qu'il n'est pas commercialisé ou peu connu. Et puis, je dirais aussi qu'aujourd'hui, des joueurs pros, on en a de plus en plus. On a notamment des vainqueurs de la Biarritz Cup. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, c'est du Pays Basque, mais ouais. On a des vainqueurs de la Biarritz Cup, donc les meilleurs amateurs européens, qui jouent aujourd'hui avec nos putters. Donc le deuxième, Nicolas Calvé, aujourd'hui, qui a gagné la Biarritz Cup il y a 3 ans, qui a fini deuxième cette année, joue avec un putter de ce type-là, qui va jouer sur le Pro Golf Tour l'année prochaine avec nos putters. Ah ouais. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, voilà, on arrive. N'oubliez pas qu'on n'a que 3 ans. Oui. Donc on arrive sur le marché et de plus en plus de gens jouent avec nos putters. Et les meilleurs Français aujourd'hui, pour ceux qui ne jouent pas encore avec, s'entraînent vraiment. Pourquoi ? Parce que ça leur permet vraiment de travailler la roule, travailler leur équilibre, travailler leur tempo. Et qu'on a quelque chose qui est vraiment très, très équilibré, tout en feeling, et très alors, important. J'ai une dernière question en parlant de roule. Là, c'est le Arnaud Golfeur qui va s'exprimer. Et non plus le Clubmaker. C'est... Justement, ça c'est un point intéressant. Y a-t-il, avec ces putters, une position idéale dans le stance pour bien faire rouler cette balle, ou peu importe? Je serais tenté de dire naïvement que vu qu'il n'y a pas de loft, c'est cylindrique, qu'on peut à gauche, au milieu ou à droite, c'est pareil finalement. C'est pareil. Bon. Mais en fait, tout va dépendre du joueur un petit peu. Mmh. Mais je dirais que la position idéale, c'est plutôt talon gauche. Talon gauche, ouais. Talon gauche. Pourquoi ? Parce qu'on va reprendre la balle légèrement en remontant. Presque au niveau de l'équateur. Et là, on va avoir la roule optimum. Okay. Voilà. Okay. Donc, c'est vraiment la position idéale. C'est la position qu'on ne peut pas avoir avec un putter à face plate.
Pourquoi? Parce que le putter à face plate, on va avoir tendance, si on la reprend un petit peu trop haute, à venir taper en haut, à toper la balle, mais avec une arête. Donc avec un contact qui va pas être, qui est pas très bon. Qui va être pas très bon. Voire à gratter. Voire à gratter. Là aujourd'hui, gros avantage après du putter aussi à face ronde, donc cylindrique, c'est les avant-green. Oui. Vous faites pas de gratte. Vous pouvez éventuellement vous amuser pour chipper, à c'est faire super. Un petit peu du chipper avec. Du chipper. Voilà. Donc c'est il y a plein d'autres avantages en autre que le green. Et puis vous pouvez l'utiliser pour vous amuser, mais aussi pour vous sortir de situations un petit peu difficiles en gaucher. Bien sûr. Parce que le putter est complètement ambidextre. Ambidextre. Et oui. Et voilà. Oui. Bien sûr. Ben voilà, c'est un outil totalement à part que j'étais heureux de vous présenter avec Christian aujourd'hui. Merci Arnaud. Et puis il y aura peut-être, sans doute, une prochaine au Pays Basque où je viendrai jeter un coup d'œil à la fabrication de ces putters. Très bien, voilà. Avec grand plaisir. Avec plaisir. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.